le train arrive en 1864 à Sainte-Croix-aux-Mines. Dès lors, la rue qui suit le tracé vit au rythme du chemin de fer. À proximité de la gare se situe la scierie Vincent. Elle est installée au numéro 11 de la rue de la Gare. L'arrivée des passagers et l'augmentation du trafic ferroviaire favorisent l'implantation de petits commerces. Dans cette rue, les commerces côtoient les résidences bourgeoises. En 1911, André Burus édifie sa première villa au numéro 4. Elle devient ensuite le cabinet du docteur Magnus. Les arrivées et les départs des trains remplissent le café de la famille Pflimlin. Après la Seconde Guerre mondiale, une salle de spectacle est aménagée au 6 rue de la Gare. En 1955, la salle prend le nom de Cinéma Palace. Elle fermera ses portes en 1961, suivie en janvier 1980 de la suppression de la ligne ferroviaire.